sur les ondes de Grand Taïtan avec les docteurs de la météo marine tous les jours à 7h40, 13h30, 20h30 et minuit 2. Grand Taïtan, la radio de la météo marine. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à l'usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Bonsoir, 3 semaines après la rave party polémique du Nouvel An à Luron près de Rennes, l'enquête progresse. 5 nouvelles personnes ont été mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé l'événement qui avait rassemblé plus de 2000 participants, le tout en pleine crise sanitaire, sans respecter le couvre-feu ni les gestes barrières. Au total, 9 personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Il y aura assez de doses pour vacciner tous les Français d'ici la fin de l'été, la promesse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a tenté d'éteindre la polémique concernant le manque de doses. 137 millions ont été commandés au total par le gouvernement. Elles ne sont pas toutes arrivées sur le territoire, mais le rythme va s'accélérer dans les prochaines semaines, a indiqué Olivier Véran. Du changement concernant les règles sanitaires pour lutter contre le coronavirus, désormais, la distanciation physique passe à 2 mètres au lieu d'un seul. Il est également recommandé de ne plus porter de masque fait maison. Selon le Haut Conseil de Santé, ne sont pas